Merci d'être là avec nous pour ce nouveau Lundi des Res, qui est consacré au livre de Jean-Louis Laville et Anne Salmon, pour un travail social indiscipliné. Alors, je remercie beaucoup Xavier Bouchereau qui a accepté d'animer ce petit moment d'échange. Donc, Xavier est un auteur RS, il a écrit notamment « Les non-dits du travail social et la posture éducative ». Il travaille en protection de l'enfance depuis de longues années. Voilà, chef de service, je crois, maintenant. Hein, c'est ça. Voilà, mais donc, je vous laisse la parole. Merci. Merci. Donc, bonjour à tous pour cet échange avec les deux auteurs de Pour un travail social indiscipliné, donc Jean-Louis David et Anne Salmon, tous les deux chercheurs au CNAM. Donc, Jean-Louis David est sociologue et économiste, ils préciseront la responsabilité qu'ils ont dans les masters, et puis Anne Salmon est philosophe et sociologue. Je vous laisse préciser un peu cette présentation. Je veux bien commencer. Donc, moi, je viens de la philo et puis j'ai débarqué en sociologie. Le travail social, j'ai rencontré à plusieurs reprises. J'ai travaillé dans un service de prévention spécialisé je faisais pendant 9 ans, en fait, du suivi d'équipes de travailleurs sociaux. À raison d'une journée, voire des fois deux journées par semaine. Alors souvent, ce travail-là, il est réalisé par des psychologues ou des psychanalystes. Et en fait, le service dans lequel je travaillais, moi, faisait plutôt appel à des sociologues ou à des ethnologues. Voilà. Donc ça, c'était ma première rencontre avec le travail social. Et d'ailleurs. Quand j'ai quitté les travailleurs sociaux, j'ai écrit un livre qui s'appelle Oh mince, c'est dingue. Il n'y a que le titre du livre Pour un travail social indiscipliné qui me vient à l'esprit. On cherchera. C'était le travail social à l'épreuve. Mais que font les éducateurs ? Mais que font les éducateurs ? Le travail social à l'épreuve du politique. Voilà. Donc là, c'était en fait l'idée ces années avec les équipes, ça se fixe sur quelque chose qui était un livre. Donc voilà. Et puis ensuite, la rencontre avec le travail social, c'est dans le cadre de la formation et notamment à l'Université de Lorraine, où j'ai enseigné dans un master de travail social, mais aussi là au CNAM, puisque je suis responsable du master recherche en travail social du CNAM. Voilà. Merci. Et donc moi, j'étais économiste avant d'être sociologue, et donc j'essaye de changer un peu les représentations des travailleurs sociaux qui croient que on ne peut penser de l'économie seulement que c'est une horreur, et justement essayer de ne pas préserver cette frontière mortifère entre social et économique, mais de montrer que la différence qu'il y a aujourd'hui, ce n'est pas entre le social et l'économique, mais plutôt entre une économie internationalisée qui a fait sécession par rapport au territoire et une socio-économie de territoire qui travaille à comment est-ce que les habitants peuvent mieux vivre sur ces espaces locaux, et donc essayer de ne pas scinder entre social et économie, mais de travailler sur cette socio-économie que l'on appelle aujourd'hui souvent économie sociale et solidaire. Merci beaucoup. Donc pour ce lundi des RES qui dure une heure environ, on propose de le faire en deux temps. Un premier temps, on va échanger tous les trois pour présenter le livre à partir de quelques questions. Vous voyez, je montre que ça a suscité beaucoup de questions chez moi et beaucoup d'intérêt, votre ouvrage. Et puis un deuxième temps où on laisse la parole aux personnes qui nous écoutent et qui participent à ces... pour que vous ayez un échange entre vous. Donc, je donnerai la parole aux participants.
Donc, pour commencer, juste le titre interpelle forcément, hein, pour un travail social indiscipliné, et ce qui est important, c'est le sous-titre, hein, c'est participation des citoyens et révolution des savoirs. Et ce que vous dites en préambule de votre ouvrage, c'est que le travail social a quitté la vocation pour la professionnalisation, mais qu'en même temps, dans ce mouvement, il s'est mis sous la responsabilité des savoirs académiques, scientifiques, peut-être en y perdant quelque chose. J'aurais aimé un petit peu que vous nous expliquiez cela. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie, en fait. Les sociologues sont censés donner le sens de ce que font les travailleurs sociaux, et les travailleurs sociaux sont censés donner le sens de ce que vivent les usagers. Et c'est contre cette hiérarchie qui a été très pesante pendant très longtemps, mais qui commence aujourd'hui à s'effriter sérieusement, on en reparlera tout à l'heure, c'est contre ces façons de penser des hiérarchies sociales que l'on a voulu travailler justement sur les croisements des savoirs et sur la manière dont les professions du travail social peuvent aussi aller vers l'implication des usagers concernés. En fait, si on veut penser l'intervention sociale comme une pratique de participation, mais qui soit réellement participative, c'est-à-dire qu'il ne soit pas une participation instrumentale, mais on pourra revenir sur la participation instrumentale, notamment du néolibéralisme, à ce moment-là, il faut repenser une hiérarchisation du savoir qui, dans la tradition, occidentale, on va dire, mais toujours la théorie, qui survalorise la théorie au détriment de la pratique. Mmh. Donc, il faut absolument penser cette hiérarchie, voir comment ça s'est construit, cette hiérarchie qui valorise la théorie au détriment de la pratique, de façon véritablement à pouvoir contribuer à relégitimer la pratique et l'expérience. Et c'est à partir d'une relégitimation de la pratique et l'expérience qu'à ce moment-là, on peut penser à véritablement un croisement des savoirs. Si on ne repense pas cette hiérarchie, à ce moment-là, il est impossible de penser véritablement que les gens vont pouvoir dialoguer à égalité. Alors, ça ne veut pas dire, par contre, c'est ce qu'on ne dit pas, ça ne veut pas dire qu'on va c'est-à-dire réinverser la pyramide. C'est-à-dire, l'idée, ce n'est pas de dire maintenant la théorie, taisons-la, seule l'expérience et la pratique fonctionnent. Il s'agit en fait véritablement de penser les conditions de possibilité d'un dialogue constructif entre différentes sources de savoir. Mmh. Et ça participe véritablement à une démocratisation des savoirs. Et d'ailleurs, quand on parle, parce que Jean-Louis parlait de l'économie sociale et solidaire, c'est là où il y a un rapprochement en fait qu'on peut faire entre l'économie sociale et solidaire et le travail social, c'est dans le sens justement de cette démocratisation des savoirs, de cette démocratisation et vas-y. Ouais, on ouvre le livre en contrastant les définitions du travail social officielles qui ont été données dans les années 70. On rappelle le fameux numéro d'esprit sur le travail social, où le travail social encore à l'époque était défini en termes purement adaptatifs. Il s'agissait de s'adapter à la société. Aujourd'hui, les définitions que l'on a aussi bien au niveau international à l'ONU qu'au niveau français sont très différentes, hein, puisque le travail social est présenté comme étant un vecteur d'émancipation. Hein. Et donc le livre, c'est au-delà du déclaratif, quelles sont les conditions si on veut vraiment que le travail social puisse participer d'une émancipation. Hein. Et ça veut dire revenir effectivement sur les hiérarchies incluses dans la façon dont on a pensé la place des savoirs académiques et la négation des autres formes de savoir. Et l'indiscipline, si on parle, parce que c'est vrai qu'on parle d'indiscipline, ce n'est pas l'arrogance, hein, c'est quand même l'impertinence.
Et il y a l'indiscipline, en fait, elle est à l'égard fondamentalement de la pensée dogmatique. C'est le combat, c'est vraiment la pensée dogmatique. Et la pensée dogmatique, elle peut être une pensée dogmatique théorique, hein, quand finalement la théorie se considère comme l'unique source de vérité, auquel cas elle devient dogmatique, mais c'est le dogmatisme managérial quand le management décrète qu'il est l'unique source d'organisation pertinente, et puis c'est aussi le dogmatisme de la commande publique lorsque finalement on est dans une expertise surplombante et avec un dogme qui est vraiment là, qui devient extrêmement prégnant et extrêmement problématique pour notamment pour les associations, c'est le dogme de la concurrence. Quand tout doit passer par les fourches codines de la concurrence. Et là, il y a un véritable danger parce que la concurrence, c'est en fait pour mettre les gens en concurrence, il faut une uniformisation. Il faut uniformiser. Ça veut dire toute chose égale par ailleurs, qu'est-ce qui fait le plus ? Et à ce moment-là, il y a un nivellement qui se produit entre les associations, les services publics et puis les entreprises. Et donc, ce dogme-là eh bien, est tout aussi problématique que les deux autres. Voilà. Est-ce que ce risque de standardisation hein, que les travailleurs sociaux soulèvent très fréquemment et que je rejoins, est-ce qu'il ne procède pas au même titre que la théorie, que du dogmatisme théorique de la volonté de maîtrise contre l'incertitude du travail social? Et oui, bien, oui. Ah ben, le dogme, alors le dogmatisme, c'est un combat, bien sûr, oui, c'est un combat contre l'incertitude. Alors, cette question du... Alors, le problème, c'est que ça repose sur une croyance, sur des croyances, mais le risque... En fait, c'est que on ne regarde plus. En fait, on s'extrait du bourbier du monde, et que en fait, c'est dans le bourbier du monde qu'on pourrait et en tenant compte, en tous les cas, en tenant compte de la variabilité, en tenant compte de la situation locale, en tenant compte de tout ceci. Que peuvent peut-être émerger de nouvelles solutions. En fait, vous nous invitez à relocaliser la pensée. En fait, oui. Pour répondre à ce que vient de dire quelqu'un sur le chat, c'est aussi sortir de ce qui est très marquant dans la tradition de pensée qui est la nôtre, c'est-à-dire cette quête de, sans cesse de pureté, et admettre qu'on travaille dans l'impureté du monde. Mmh. Et donc, dans des formes de savoir qui sont forcément situés, contextualisés, hein, et qui n'ont pas une prétention à devoir être des mots d'ordre qui soient appliqués à toutes les situations. Alors, mais comment du coup, excusez-moi. Pardon. Mais pour y arriver, il faut pour y arriver, en fait, il faut qu'il y ait clairement une revalorisation de la pratique, c'est-à-dire en fait que les travailleurs sociaux prennent conscience finalement de comment ils se sont fait berner par une certaine science, comment ils se sont fait avoir, et ça suppose finalement de faire un travail d'épistémologie, c'est-à-dire une réflexion sur la manière dont on pense, et cette réflexion, ben, elle doit en fait croiser là encore un certain nombre de savoirs. L'épistémologie, c'est à la fois de réfléchir à la manière dont on pense en croisant finalement des apports de la science, des apports de la philosophie, des apports de l'histoire, des apports de l'anthropologie. Et à partir de ce moment-là, de voir justement comment est-ce que la théorie a pris le dessus sur la pratique,
et de façon justement à reprendre. À partir du moment où on sait, on décortique, on déconstruit, alors à ce moment-là, on va pouvoir reprendre nos marques reprendre en fait de la réassurance, de se dire que ce savoir ancré, que ce savoir situé, il est légitime. Il est légitime. Mmh. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est de l'indiscipline. Parce qu'ensuite, on va pouvoir titiller, on va pouvoir dire, qu'est-ce que c'est que ce savant-là qui se pose en surplomb mais moi aussi, j'ai quelque chose à dire. Mmh. Pour rebondir aussi sur ce qui vient d'être noté dans le chat, ça a un rapport avec l'éloge du carburateur, sûrement. On prend deux exemples dans le livre de sociologues très connus, hein, c'est-à-dire comment pour nous cette opposition entre un sens commun qui ne pourrait être que l'illusion, hein, c'est-à-dire que les acteurs ne pourraient être finalement que dans le leur par rapport à ce qu'ils vivent, comment ça pose problème, puisqu'à ce moment-là, la connaissance ne peut leur être apportée que de l'extérieur par le sociologue. Donc la coupure entre connaissance savante et sens commun, qui est quand même très présente dans une certaine sociologie critique française, nous semble poser un problème épistémologique majeur. De la même façon, la manière d'aborder une sociologie également très célèbre qui gomme le politique et qui procède à un rabattement organisationnel, celle de Crozier-Friedberg, nous semble aussi ne pas pouvoir rendre compte de certaines situations, hein, parce qu'elle a une façon, là aussi, d'uniformiser les situations autour d'un comportement qui ne serait régi que par l'intérêt. Hein. Donc, je prends juste ces deux exemples qui sont dans le livre, parce que c'est là, il faut qu'on aille chercher, et il y en a, c'est ça qui est un stimulant dans la période actuelle, il faut qu'on aille chercher des auteurs, justement, qui sont cohérents avec cette idée d'un dialogue entre théorie et pratique. Et là, on a des étayages avec des auteurs qui sont de plus en plus nombreux, je pense. Donc, ne pas se tromper de référentiel, ne pas aller chercher des appuis dans les sciences sociales qui soient contradictoires par rapport au croisement des savoirs, mais au contraire, aller chercher celles et ceux avec lesquels on peut avancer justement sur la construction de cette alliance, de cette association, de cette révolution, on dit même dans le titre des savoirs. En fait, peut-être que pour faire toucher du doigt, je voudrais citer Durkheim. Les travailleurs sociaux, ils connaissent Durkheim. Je voudrais juste citer Durkheim. Quand il dit « La vie sociale doit s'expliquer, non par la conception que s'en font ceux qui y participent, mais par des causes profondes qui échappent à la conscience, clairement, si on est dans cette conception du savoir, qui est en fait un savoir révélé, le savoir est révélé par le sociologue, si on est dans cette conception-là, je dis que les travailleurs sociaux n'ont pas leur mot à dire et les usagers n'ont pas leur mot à dire. Donc, la question qui se pose, c'est quelles sont les ressources qui permettent, en fait, de reprendre la main, et de reprendre la main et de reprendre la parole. Et dans la deuxième partie du livre, en fait, on essaye de trouver des auteurs qui permettent mieux, finalement, de penser un savoir qui n'est pas une théorie de la connaissance ou des théories de la connaissance qui ne sont pas dans le registre de la révélation, mais dans le registre de la délibération. Ça veut dire que la construction du savoir se fait sous la forme délibérative. Et dans les sciences humaines, je pense que c'est d'autant plus pertinent que de prendre en considération l'autre comme sujet, donc l'autre ayant des capacités de parole et de pensée et d'action, plutôt que sous une forme objectivée, c'est-à-dire sans âme, sans pensée, sans volonté. Vous parlez d'expérimentalisme démocratique. Oui, ça c'est une expression reprise à Dewey, hein, puisque Dewey s'était opposé dans une célèbre controverse à Lippmann à la fin du XXe siècle. C'est intéressant parce que Lippmann a été l'un de ceux qui se sont associés aux réflexions
qui ont préfiguré le néolibéralisme. Et Lippmann disait que dans une société trop complexe, il y a certains domaines, et Hayek développera l'économie par exemple, qui doivent plus être du domaine du citoyen parce qu'il n'est pas en mesure de décider véritablement, il n'a pas les clés suffisantes. Et Dewey lui répondait, c'est justement parce que nous sommes dans une société de plus en plus complexe qu'il faut aller vers l'expérimentalisme démocratique, c'est-à-dire que plutôt que de plaquer des solutions par des cabinets conseils, pour faire image, je pense que, disait Dewey, il est beaucoup plus intéressant de faire que les gens puissent contribuer aux solutions des problèmes qu'ils rencontrent. Et à partir de cela, on va trouver effectivement des modalités beaucoup plus adéquates de réponse qui ne seront jamais possibles par un expert aussi compétent soit-il. Ah, moi j'ai perdu. Allô ? Oui, ça y est, c'est bon. Là, on vous voit. Hein ? Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. il y a eu un problème, mais c'est bon, c'est revenu. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. En fait, là, un des passages, moi, qui m'a beaucoup intéressé, donc effectivement, vous revenez assez longuement sur les conditions d'un croisement des savoirs, et qui ne sera pas une différenciation entre savoir académique et un savoir pratique, mais vraiment un mélange pour une construction, une co-construction d'une vérité sociale, en fait, que l'on a plusieurs. Et vous faites référence notamment à Habermas, à la notion d'espace public discret. Pouvez-vous un petit peu revenir sur cette notion que j'ai trouvée fort éclairante ? Oui, parce qu'en fait, Habermas a montré que il s'est démarqué de cette idée de sens commun qui était invalidée par une certaine sociologie pour parler plutôt de monde vécu. Et à ce moment-là, le monde vécu, c'est la condition humaine, c'est-à-dire que ce monde vécu, nous le partageons et c'est l'arrière-plan à partir duquel on peut se situer dans une intercompréhension des autres, avance Habermas. Et donc, il y a tout un développement chez Habermas sur les formes qu'ont pris l'espace public, comment l'espace public bourgeois s'est peu à peu fait happer par les logiques des systèmes administratifs et marchands, mais comment ressurgissent des espaces publics qui sont sans cesse en train de se présenter pour résoudre les problèmes du monde. Et c'est vrai qu'il y a une certaine aptitude à situer les espaces publics uniquement dans le discours, y compris entretenu par Habermas. Et ce qu'on a voulu intégrer en parlant d'espace public de proximité, en parlant d'espace public discret, c'est qu'il y a aussi pour nous des espaces dans lesquels les gens sont plus orientés vers le faire, dans lesquels ils n'ont pas forcément un discours de revendication explicite et qui pourtant peuvent participer de la construction d'alternatives. Et il nous a semblé que c'était très important de réintégrer dans la réflexion comme dans l'action ces espaces publics discrets qui sont souvent oubliés dans beaucoup d'écrits, finalement, parce qu'il n'y a pas un discours forcément très charpenté. On oublie ce qui est du côté du faire, et il nous semble que l'intervention sociale est particulièrement concernée par ces espaces publics discrets et par la façon dont il est possible, à propos de problèmes quotidiens, d'élaborer des espaces publics qui soient peut-être discrets, mais en même temps tout à fait importants pour changer un certain nombre de situations. Je voudrais aussi montrer que, enfin, je crois qu'il y a un vrai enjeu là aujourd'hui à ce que le travail social soit lui aussi partie prenante dans le développement, l'élaboration de ces espaces publics et des espaces publics délibératifs, parce que si on n'y est pas vigilant, en fait, ce qui va se passer, c'est que ce sont des espaces de marché qui vont nous envahir. Et ces espaces de marché, eh ben, ce sont des espaces dans lesquels le problème n'est pas la délibération. Le maître mot, c'est véritablement la concurrence. Et c'est des choix de société. Et je pense que les travailleurs sociaux, justement,
par un travail qui va être réellement participatif, c'est-à-dire avec ce qu'on a dit hein, sur la question de la remise en cause d'une hiérarchisation des savoirs qui pose problème, à ce moment-là, les travailleurs sociaux peuvent aussi faire contrepoids par leur travail et leur intervention sociale beaucoup plus participative à participer, alors pour le coup, à être des acteurs d'une résistance sur au fait que aujourd'hui, l'État, y compris l'État, va favoriser finalement ces espaces de marché à la place d'espaces publics dans lesquels les citoyens pourraient parler. Et c'est évidemment un immense danger en tous les cas. Et je regardais voilà on est tout, enfin je regardais dans la Manche libre, voilà, la Manche libre, commune de Gouville-sur-Mer, pour les travaux d'extension, ça n'a rien à voir avec le travail social, pour les travaux d'extension de réseaux d'assainissement et d'eau potable, avis d'appel à la concurrence. Et on est perpétuellement là-dedans. C'est-à-dire que là, véritablement, on est dans la création et dans le développement d'espaces de marché. Et pour contrer, il faut des espaces publics délibératifs. Pendant une dizaine d'années, on avait créé une association, une agence de développement des services de proximité qui réunissait des élus, des responsables publics et privés, des acteurs de ces services et des chercheurs, hein, pour essayer justement de concevoir les services à partir de ces espaces publics discrets. Et ça a permis de montrer que dans l'aide à domicile, dans l'accueil des jeunes enfants, en partant de ces espaces délibératifs, il était possible de monter véritablement des services originaux, souvent dans des endroits, quartiers populaires ou espaces ruraux, dans lesquels il n'y en avait plus du tout parce que le service public avait disparu. Or, et ça renvoie à la manière dont les politiques publiques doivent aussi être questionnées, tous ces services que s'appelaient services solidaires ont été laminés par des politiques publiques qui ont été uniquement dirigées vers le service au moindre coût, vers les petits boulots. Et donc, je pense que si les intervenants, les usagers et les chercheurs doivent reprendre la parole, c'est aussi parce qu'il est nécessaire que ça bouge du côté des politiques publiques et que les politiques publiques, on l'a vu par exemple dans le domaine des personnes âgées récemment, ont trop favorisé des entreprises sous prétexte qu'elles seraient le lieu dans lequel il y aurait de la professionnalisation. Et je crois que nous devons aussi reprendre la parole pour faire que d'autres solutions puissent être abordées et puissent être véritablement légitimes. Dernière question de ma part, en tout cas, avant de laisser la parole aux personnes qui nous écoutent. Ces principes, on les retrouve bien dans l'action communautaire. Vous en parlez dans votre livre. Et pourtant, cette action communautaire, elle n'a pas nécessairement bonne presse, souvent pour des mauvaises raisons, et vous les expliquez, j'aimerais bien que vous nous en disiez deux mots, pour de mauvaises raisons, elle est regardée avec méfiance en général. Donc, j'aimerais que vous nous en disiez un peu quelque chose. Je pense que si on compare à d'autres pays, il y a un problème avec tout ce qui est développement communautaire en France, hein, qui vient probablement de la conception républicaine qui nous est propre, hein, dans lequel il y a une délégitimation justement des groupes intermédiaires entre l'État et le citoyen. Or, c'est vrai que si on parle d'espace public discret, si on parle de collectif, si on parle de prise de parole, hein, ça suppose que ces groupes intermédiaires, ils soient admis non pas comme étant des armes contre la République, mais comme étant des contributions à une république vivante. C'est un peu les questions qui avaient été posées en 1848, hein, qu'on voit par exemple dans le livre de Samuel Hayat « Quand la République était révolutionnaire », c'est-à-dire quand le politique et le social n'étaient pas distingués. Et je crois qu'aujourd'hui, là aussi, il y a des
inquiétudes à avoir sur un républicanisme rigide et très sclérosé qui, je pense, s'oppose à une république vivante qui doit inclure des formes de dynamique collective et que l'on appellerait dans d'autres pays communautaires. Et là, on a beaucoup à apprendre, je crois, par exemple, de ce qui se fait en Espagne, au Portugal, au Brésil, où ces dynamiques communautaires sont véritablement beaucoup plus développées, beaucoup plus enseignées aussi dans les formations de travail social qu'elles ne le sont en France. Il y a une confusion entre communautaire et communautarisme. J'aurais 1000 questions, mais on va laisser la parole aux auditeurs. Donc ceux qui veulent prendre la parole et poser des questions, vous êtes les bienvenus et invités à appuyer sur le petit bouton pour prendre la parole. Alors à moins que j'ai des questions aussi sur la discussion, Ouais, je pense qu'il y a plein de réactions. Plein de réactions peut-être qu'on peut prendre aussi. C'est pas si simple de prendre la parole comme ça dans un échange. Une question notamment, quels sont les endroits, alors c'est Rosane Caris qui pose la question, quels sont les endroits de plaidoyer, mais aussi les endroits de collectif aujourd'hui, encore possible en fait, hein. J'entends ça moi derrière la question. Oui, j'ai levé la main, mais je ne sais pas s'il faut attendre le régulateur ou pas. Allez-y, on reprendra la question après. Moi, c'est la question de est-ce qu'il n'y a pas une culture de la prise de parole. Moi qui suis un travailleur social belge, qui ai longtemps travaillé avec des enfants, plutôt dans une approche d'éducation populaire, on a beaucoup travaillé à l'époque avec des auteurs français, et notamment leur approche comme l'entraînement mental. On a vraiment essayé de mettre en place des groupes de parole citoyens, mais qui ont besoin quelque part d'être informés, parce que souvent on dit la théorie... Il ne faut pas se laisser embrigader par la théorie, le dogmatisme, mais je pense que l'accès au savoir est important aussi. Donc, je me posais la question de savoir, par rapport à votre ouvrage, comment est-ce que cette dimension, on va dire noble, de l'accès au savoir est aussi une force, une arme qui peut peut-être permettre aux travailleurs sociaux, mais aussi au public qu'ils encadrent, de reprendre du pouvoir sur leur vie, quoi, du pouvoir d'agir. Voilà, c'était ma question. C'est vrai qu'on sait peut-être. Je comprends tout à fait ce que vous voulez dire, et c'est tout à fait juste. Vraiment, on a cherché à montrer parce que ça nous paraissait important de le faire, peut-être parce que c'était pas suffisamment fait aussi. C'est comment. À un moment donné, la théorie peut véritablement être problématique et étouffer d'autres formes de savoir. Et on s'est concentré là-dessus. Mais évidemment qu'il est hors de question pour nous que de dire il ne s'agit pas, enfin, de considérer que la pratique non informée. Que la pratique non informée peut avoir une pertinence donc c'est clair que il s'agit de d'informer, mais pas que ça, si vous voulez, pas que ça. Pour regrouper peut-être avec d'autres questions qui ont été posées sur le chat, je pense que ce qu'on a essayé de faire, c'est d'abord de montrer qu'il est possible aujourd'hui de s'appuyer sur tout un ensemble de ce qu'on appelait tout à l'heure petites expériences démocratiques, espaces publics discrets, qui existent mais qui ont été laminés par les dogmatismes que l'on évoquait. Et je pense que la première chose, c'est pour ne pas céder à cette impuissance qui est souvent ressentie, de plus mutualiser ce qui se fait déjà et comment est-ce qu'il y a possibilité d'enrichissement des pratiques par d'autres. Et à ce moment-là, de voir comment est-ce qu'il y a aussi des ouvertures en allant chercher des théories et des pratiques qui peuvent véritablement dialoguer ensemble. Et non pas
des théories qui épistémologiquement justement assigneraient les usagers, les travailleurs sociaux à des places que seul le chercheur pourrait véritablement identifier de manière scientifique. C'est bien de voir comment les pratiques peuvent se renforcer et comment elles peuvent se renforcer avec certaines théories et pas avec d'autres. C'est ça. Mais pour montrer aussi les limites du livre, mais on s'est concentré sur, vraiment on s'est concentré sur, le livre est structuré en deux parties, agir sur les publics et agir avec les publics. Et on s'est focalisé, c'est vrai, sur une réflexion plutôt théorique et on a délaissé, par contre, tous les aspects méthodologiques parce que l'idée, c'était aussi de faire un livre qui soit, de chercher une cohérence, de ne pas forcément vouloir tout examiner, et par contre, de chercher vraiment une cohérence sur, et un fil directeur qu'on espère le plus clair possible. Par contre, la dimension de méthodologie, la dimension méthodologique qui me semble c'est une question poser des questions de méthodologie, ces questions-là, elles n'ont pas été traitées dans ce livre-là. Il faudrait en fait le compléter par véritablement des investigations fortes sur le plan méthodologique. Ce que je voudrais rajouter, qu'en fait, le livre, c'est aussi presque un programme de travail. Et l'idée, c'est d'ouvrir une collection, d'ouvrir une collection. Et donc là, en fait, dans la perspective, c'est vrai, dans une perspective qui ne va pas être n'importe quel type d'intervention sociale, qui va être plutôt une intervention sociale, je pense que vous l'avez compris, hein, orientée vers un agir avec les publics, à ce moment-là, de nombreux autres livres et de nombreux auteurs qui peuvent alimenter la réflexion et travailler finalement avec nous dans ce programme de travail. Vous voyez, il y a deux questions. Oui. Alors, il y a deux questions. Pascal Lafosse et Fabien. Oui, je veux bien. Voilà. Bonjour, donc moi je suis Pascal Lafosse, je suis présidente de l'ANTSG, l'Association nationale pour le développement du travail social de groupe et des interventions sociales collectives. Donc vous pouvez aller voir des références très très claires sur notre site. C'est une pratique qui existe depuis le congrès de Sèvres, juste après la libération et après la guerre. Donc, c'est une pratique qui existe depuis des années. Moi, ce que je voulais dire, surtout, c'est que vous dites que la théorie et la pratique, malheureusement, ne travaillent plus trop ensemble ou que la théorie aurait supplanté la pratique. Je vais vous dire que j'aurais bien aimé même qu'on n'en soit que là, parce que je crois que même au niveau du travail social, on n'a même plus le temps d'être sur les théories, malheureusement. Il y a actuellement, donc on va vers de l'action sociale qui se développe en plateau technique. On est sur un système purement économique de gestion des problèmes des personnes dans lesquelles, si vous voulez, tout ce qui relève de ce que vous disiez, de la théorie, de la connaissance, du savoir, etc., sont complètement anéantis. Mais quand je vous dis anéantis, c'est anéantis. Donc aujourd'hui, si vous voulez, les travailleurs sociaux, ils ont même perdu tout crédit. Et tout ce qui pouvait être de l'ordre, si vous voulez, c'est l'homme, l'hypermoderne. On est dans l'hypermodernité, donc dans le sens où même les travailleurs sociaux ne croient plus au progrès social. Et il y a un
concrètement un désenchantement de cette action avec des angoisses d'extinction, etc. Donc, par contre, ça ne veut pas dire que je n'ai pas espoir. Hein, attention, parce que je vous prends un quelque chose d'extrêmement négatif. Bon, moi, je viens plutôt de la psychosociologie et de la psychanalyse des groupes. Hein, voilà. Je travaille beaucoup sur les travaux d'Anzieux, KS, Pinel. Enfin bon, je viens de passer 3 jours avec eux. Par contre, moi, ce que je verrais bien dans votre analyse aussi, c'est vous passez théorie à pratique, mais c'est aussi l'expertise du quotidien des usagers. Moi, aujourd'hui, ce qui me sauve dans mon quotidien, c'est l'expertise du quotidien des usagers. C'est-à-dire que moi, je balance complètement l'effet inverse. Je suis formée à l'intervention de travail social avec les groupes. Alors, on parle de pouvoir d'agir, etc. Mais ce n'est quand même pas nouveau, hein. C'est l'empowerment, etc. Avec des méthodes qui vont chercher les personnes les plus isolées, celles qui ne viennent plus. Enfin, et on monte des projets extraordinaires. Hein, donc, et c'est en partant de l'expertise du quotidien des personnes. Donc, il y a peut-être aussi à réinterroger ces pratiques, comme vous dites, effectivement, qui sont secrètes, qui sont dans l'espace public et qu'on ne voit pas. Bon, alors nous, on a décidé de les montrer. Donc, vous allez sur le site de l'ANTSG. Je vais vous mettre. Si vous voulez participer d'une façon ou d'une autre, je vais vous dire que même, pour vous dire tellement, je suis prise de voir des travailleurs sociaux qui ont envie de faire des choses, et ben je lance des ateliers, voilà. Des ateliers gratos, premier samedi, un samedi par mois, pour tous les travailleurs sociaux, les professionnels, les stagiaires, les étudiants. Les écoles, on les a un petit peu perdues aussi là-dedans, hein. Enfin, excusez-moi, mais les Naforis, etc., ils ne sont pas trop bougés là-dessus quand on les a sollicités. Et donc, ce qui va nous sauver, c'est de créer des espaces pour penser. Voilà. Si on ne pense plus et que tous les travailleurs sociaux, si vous voulez, moi je les vois dans leur petite, c'est comme des hamsters, là, ils sont dans leur truc et on leur tape tous les 6 mois, il y a des réformes, tous les 6 mois, ça change. Voilà. Donc venez discuter, et réfléchir, penser, élaborer, tout ce que vous voulez. Vous savez aussi que j'ai des contacts avec le Québec, l'Australie, les États-Unis, etc. Souvent, ce sont des ordres. Hein, c'est des ordres, excusez-moi. Ordre, c'est des ordres, un ordre de travail social. Ce n'est pas du tout la même organisation. Et c'est souvent des psychothérapeutes, des psychosociologues qui font du travail collectif. Voilà. Merci. Peut-être on enchaîne avec des autres interventions, oui. Puis on essaiera de répondre. Fabienne, on va déborder par le temps, là. Non, mais l'idée aussi, parce que, non, quand même, parce que là, ce que vous montrez, c'est vraiment le travail social aux prises et prisonnier de la gestion. Et ce que vous dites, et moi, ce qui me paraît tout à fait juste, mais c'est pour ça, justement, que ce livre-là, il veut absolument revaloriser la pratique, c'est que justement, par rapport à cette emprise gestionnaire, c'est vraiment sur les pratiques et le croisement des savoirs. Et le croisement des savoirs, c'est l'expérientiel, hein, des usagers, des praticiens, des professionnels, et puis aussi des savoirs savants. C'est pas non plus, il ne s'agit pas de délaisser la théorie, ce serait complètement invraisemblable. Et cette revalorisation qui est pas où on sent que nous on a des praticiens, nos formations, ce sont des formations de praticiens. Il semble quand même qu'il n'y a pas suffisamment de confiance, de conscience, de confiance de cette pertinence et de cette capacité finalement à partir de la pratique de bouleverser, de donner des pitch nets à des logiques managériales extrêmement problématiques et un esprit de sérieux, parce qu'il y a un esprit de sérieux dans ces logiques managériales. Et ce que vous dites conforte tout à fait, on ne peut être que d'accord, c'est-à-dire qu'en fait, vous appuyez sur les savoirs des usagers, sur vos propres savoirs et sur les pratiques, sur des apports théoriques pour faire bouger les lignes par rapport à des logiques managériales. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est, là encore, de combattre des dogmes, combattre une dogmatique.
Alors, on a voulu deux questions d'attente. Juste un instant pour vous passer la parole tout de suite, c'est que on a voulu essayer aussi de comprendre mieux pourquoi c'est si difficile depuis des décennies pour l'éducation populaire, pourquoi c'est si difficile pour le travail communautaire, pourquoi c'est si difficile pour l'intervention collective. Et c'est parce que nous sommes prisonniers de manières de penser les savoirs qui sont fondamentalement élitistes. Et donc, il faut aussi sortir de ça pour que toutes les pratiques que vous avez mentionnées puissent avoir véritablement beaucoup plus accès à la parole publique. Fabienne, Defer, vous vouliez dire quelque chose, je crois. Ah, micro. Le micro. Micro. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Oui, très bien. Voilà. Donc, bonjour, donc, je m'appelle Fabienne Defer, je suis belge, mais en fait, je forme des travailleurs sociaux en France. Dans le domaine du pouvoir d'agir. Donc, en fait, je voulais vous demander si vous connaissez si vous connaissiez les apports de Yann Le Bossé, qui est québécois. Oui. Donc, en fait, je forme des travailleurs sociaux dans les départements français, en Gironde, Tarn-et-Garonne, Puy-de-Dôme, et prochainement Loire-Atlantique. Donc, je suis moi-même assistante sociale et j'ai une carrière de 38 ans en CPS en Belgique, donc c'est un métier évidemment que je connais et que j'ai pu expérimenter sur le terrain. Pendant de nombreuses années, j'ai écouté les usagers et monté des projets. Ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai qu'il y a une différence forte en France, c'est qu'en France, on vous demande toujours à quelle chapelle vous appartenez. Et il faut que vous puissiez donner votre carte de visite en disant finalement ça. Je pense que les Québécois, et notamment Yann Le Bossé, il a été cherché, il a été puisé, je dirais les apports quand même qui relèvent de la psychosociologie, mais à la fois du côté américain et à la fois du côté européen, et américain, nord-américain, mais également sud-américain, notamment Paulo Freire. Et donc, je pense qu'effectivement, en tout cas, je voulais vous remercier pour votre livre que j'ai reçu hier ou avant-hier et que j'ai seulement commencé à lire. J'ai notamment lu la préface de Marcel Jagger, peut-être que je ne prononce pas bien son nom. Voilà, j'ai contribué moi-même à coordonner deux numéros de la revue Forum, un concernant l'empowerment et l'autre concernant le développement du pouvoir d'agir. Je pense aussi qu'il manque des espaces pour penser, à la fois dans des grandes institutions telles que les départements ou également peut-être dans d'autres lieux et d'autres endroits. Je dirais que je me suis un peu plus spécialisée vers le travail dans les départements, étant moi-même dans un service public, donc c'est un domaine, c'est un monde que je connais bien. Et je pense que pour y arriver, il faut aussi former les cadres, ce qui se passe évidemment dans les formations, c'est-à-dire qu'il faut à la fois, travailler au niveau des assistants sociaux, enfin vous les appelez les travailleurs sociaux parce que ça comporte quand même toute une série de professions, pour qu'ils puissent travailler avec les personnes et non pas sur les personnes comme vous l'expliquez dans votre livre, mais à la fois il faut revoir aussi les politiques de management dans les institutions, c'est-à-dire que il faut aussi que ce soit co-constructif, si je puis dire, du côté aussi du management. Et donc, c'est difficile parce que c'est vrai qu'il faut quelque part faire marcher, je dirais, le processus dans un sens inverse quelque part. Mais je crois qu'il y a tellement de souffrance aussi au travail, il y a tellement de questionnements, de perte de sens de la part de tous, que ce soit du management aux travailleurs sociaux. Je crois que ce travail est tout à fait possible et est extrêmement intéressant. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Merci. Merci. Bérénice. Oui, bonjour. Bonjour, je suis Bérénice Dandan du Mouvement pour l'économie solidaire. Donc du réseau national, mais aussi implanté à Toulouse, en Occitanie. Et
Donc, j'ai aussi un peu lu le livre et je suis ravie en tout cas que… Enfin, le sentiment que j'ai, je vais l'exprimer comme ça, c'est qu'en fait, on se pose les mêmes questions dans le travail social que dans l'économie sociale et solidaire, à savoir comment aujourd'hui, de manière sincère, authentique, travailler la citoyenneté dans notre idée, la démocratie économique notamment, comment on le fait. Et j'ai ce sentiment… Je croise beaucoup de travailleurs sociaux. J'ai une formation de travail social au départ. J'ai bifurqué ensuite sur le développement local. Et puis, je suis tombée dans le chaudron de l'économie solidaire à un moment. Ça me donne quand même le sentiment aujourd'hui, quand je croise des travailleurs sociaux, de ne pas toujours savoir où je mets les pieds. Et de la même façon, quand je rencontre des acteurs de l'ESS. C'est-à-dire qu'on a effectivement, des acteurs qui sont extrêmement mis en compétition et qui sont extrêmement, pour certains, dans le contrôle social, avec tous les travers que ça peut avoir, le subissant ou ne le subissant pas. Et d'ailleurs, je regrette que dans l'économie sociale et solidaire, il y ait des acteurs qui se targuent de faire de l'intervention sociale, mais qui la font très mal. Je vais un peu balancer comme ça, mais qui quelque part, font de l'intervention sociale, qui reste sans apposer de la réflexion et sans apposer de la méthode et sans apposer de la pensée. Et je me dis qu'on a quand même, pour autant, malgré tout ça, je trouve qu'on aurait intérêt à plus se rencontrer localement en tout cas, et peut-être à d'autres niveaux, au niveau national, à la fois pour croiser les pratiques que l'on a dès lors qu'on parle de citoyenneté, les analyser et vraisemblablement c'est moi qui ai parlé de plaidoyer, c'est que j'ai le sentiment qu'on subit beaucoup un contexte institutionnel qui ne nous facilite pas la tâche, et j'ai l'impression qu'on devrait aussi construire du plaidoyer commun. Voilà, c'est juste ça. Ouais, donc je voudrais une réaction par rapport à ça. Les points sur lesquels mettait l'accent Fabienne Defer autour du pouvoir d'agir sont des points de convergence avec l'économie solidaire. Et il y a un frémissement dans ce sens-là. Par exemple, il est symptomatique que 4 revues de travail social dans les 2-3 dernières années ont consacré un numéro à l'économie sociale et solidaire. Mais quand on voit le contenu de ces numéros, on voit aussi la confusion dans laquelle les représentations de l'économie solidaire vers le travail social et du travail social vers l'économie solidaire sont encore très, très gênantes pour créer un véritable dialogue. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Quand on parlait tout à l'heure de mutualisation, on pourrait presque parler à certains égards de résistance. Je crois que toutes les personnes qui sont engagées dans des formes d'intervention sociale qui visent le pouvoir d'agir comme les acteurs de l'économie solidaire, aujourd'hui ne peuvent pas rester dans leur coin. Je pense que c'est vital que ces réseaux qui se sont constitués sur des logiques différentes rentrent en contact les uns avec les autres. Et je pense que c'est aussi beaucoup au niveau du territoire que l'on peut trouver les synergies et que l'on peut sortir de ces représentations qui sont trop encore des clichés pour voir vraiment ce que font les uns et les autres et comment il est possible d'accentuer les complémentarités. Mais pas seulement, en fait, dans les territoires, y compris même dans les formations, parce que quand même, nous, notre master, il associe… Il y a deux parcours dans notre master. Il y a le parcours ESS, et donc économie sociale et solidaire, et le parcours travail social, et il y a un tronc commun, il y a des cours communs. Et donc, en fait, on essaye aussi dans ce cadre-là de créer des synergies. Il faut être clair, Jean-Louis, lui, il est quand même connu pour l'économie sociale et solidaire. L'économie solidaire, moi, je suis plus sur le travail social, on fait le livre à deux. Donc, c'est bien que quand même, on a quelques petites idées derrière la tête et qu'il s'agit de développer ça. Et puis, en outre, je pense quand même qu'à la fois, il peut y avoir, je voudrais revenir sur la question du management,
Il est clair qu'il est peut-être possible, dans certains cas, de dialoguer avec des managers pour faire bouger les lignes sur le plan de la critique de la gestion et de la critique de la façon dont ça se passe aujourd'hui. Il faut, et il peut y avoir vraiment des liens et des forces communes qui se mettent en place. Je voyais tout à l'heure sur la discussion, on parlait de la manière d'évaluer le travail social. Peut-être que les synergies entre les différents acteurs dans les associations peuvent aussi contribuer à faire bouger les lignes par rapport à la commande publique, c'est-à-dire aussi par rapport à la manière dont le travail social aujourd'hui est évalué et qui peut être très scandaleuse, parce que quand on voit que des dispositifs d'évaluation ont permis en fait de visibiliser le scandale Orpea et que c'est un journaliste qui le met en avant, on peut s'interroger sur les dispositifs d'évaluation du travail social. Comment se fait-il que ces dispositifs hyper chiadés d'évaluation n'aient pas repéré la maltraitance des personnes dans ces maisons de retraite et y compris la maltraitance des salariés et y compris visiblement des dérives en matière de financement qui sont de la captation de l'argent public pour ne pas faire le travail. Donc, je pense qu'il y a des choses effectivement à faire autour de la question de l'évaluation, mais aussi autour de la question de la commande publique qui pose peut-être autant de problèmes, et de la mise en concurrence des associations et des structures. Voilà. Nous arrivons au terme de ces lundis, les 19h30. Avez-vous une conclusion à nous faire sur votre livre, même si vous nous avez déjà largement donné envie de le lire, pour ceux pour qui ce n'est pas fait? Non, je crois qu'il y a beaucoup de réactions et de remarques et de questions sur le chat auxquelles on n'a pas répondu, donc je pense qu'on va reprendre ça à tête reposée. Et puis, il me semble que ce qui a été dit va dans le sens aussi de reprendre langue avec les élus, de faire qu'il y a aussi des changements qui se font, je pense à ce qui était dit tout à l'heure par Pascal Lafosse, du côté de l'encadrement et des dirigeants. Il y a des dirigeants qui aujourd'hui sont en train de se rendre compte que le managérialisme est une impasse. Tout ça, ce sont des émergences très récentes, mais je crois que ces certitudes qui ont régné pendant les dernières décennies, pendant trop longtemps, sont en train de vaciller, et ça nous donne, je pense, des opportunités pour de nouvelles formes de pensée et d'action transversale. Je vous remercie beaucoup, en espérant que ce livre redonne confiance aux travailleurs sociaux et leur donne envie eux-mêmes d'écrire. Ah oui. Et donc, rendez-vous pour les épisodes prochains de la collection qui est un espace d'ouverture à l'écriture. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à Xavier et merci à tous les participants. Et merci à ARS. Ouais. Merci à tous. À très bientôt. À bientôt.